mingi na bandeko bopo ni GCAM télévision pour na ko partager ba sango ya République démocratique du Congo. Ngai wa bino samba olonga na tombeli bino penda boye malamu na émission na bino debout congolais lokwa na momesano. Merci na fidélité pe confiance au bopé sa kabiso pote o memela bino ba sango ya mboka na biso justice ya Nzambe e ratakate. Justice ya Nzambe moto moko te a échappaka na contrôle nango. Wana ezalaka penda rituel ya émission oyo ko rappeler na ba commède mortel que justice ya Nzambe irataka moto te soki ko salaka mabe na nkuku to pe ko sala ngo na mpoisa yeba yango que justice ya Nzambe ezakaka wana pona ko rattraper yo ala une ya actualité na biso actualité ya mwesengeli to yeba ete ezali na enveloppe ya 20 millions d'euros oyo ezali validé par la Belgique pona ko financer les sous-sous ba opération ya armée rwandaise na Mozambique alors que opposition ya mboka wana balingo yo ka lisusu likamo ya armée rwandaise été alors que la République démocratique du Congo continue à accuser le Rwanda ya ko violer vraiment intégrité territoriale pe ko massacrer ba civil à l'est de la République démocratique du Congo. La Belgique décide encore ya ko pesa bango enveloppe ya 28 millions d'euros. Faut-il repenser des relations avec l'Union européenne et la Belgique? En tout cas, tous ali ko lobelango na kati ya émission na biso penda ya mokolo ya lelo nini esengeli penda ko sala pour que l'Union européenne ou la Belgique cesse de soutenir les Rwanda. Nous y revenons dans le cadre de cette émission. L'actualité, c'est aussi vraiment cette victoire de Wazalendo qui ont pris le contrôle ya Butare, na Tongo, na territoire ya Rutshuru, kuna na Nord Kivu. Et sengeli toye ba ete ba Wazalendo na biso bazalaki attaqué na ba position na bango par les terroristes de l'armée rwandaise. La bonne nouvelle est que bango ba reprendre contrôle ya localité wana ya Butare des mains des terroristes rwandais. Nous allons aussi parler nakati ya émission na biso ya mokolo ya lelo sur Martin Fayulu ndenge nini ye akeyi kufunda Félix Tshisekedi epai ya pasteur Roland Dalo ya zali ko senga na papa Roland Dalo pasteur ya Félix Tshisekedi aye ba kote ya Félix Tshisekedi ko rappeler que orgueil na arrogance et même akamutu inévitablement na chute. Yango Félix Tshisekedi lokola azali ko accomplir a dernier et second mandat na ye fraudulé et sengeli ayeba que makambo oyo elukeli batu mususu na Afrika makambo. Pourquoi Martin Fayulu azali ko kende ko mema makambo yo et pas ya pasteur? Est-ce que sur le plan politique a commis limité? Faut-il repenser nini penda oyo Martin Fayulu akoyi ko sala penda ya malonga na kozongi sa Félix Tshisekedi na nzela que kokende ko luka passer Roland Dalo? Nous allons en parler to kolobela pe Némi Mwilanya oyo azali komona ki en tout cas pays et koti na loi martiale constitution ezo kipe les sous-souté exa prison à ciel ouvert élection ya Congo na conseil à droit de l'homme échangé na ngope lorote fo yebake liwa ya démocratie na République démocratique du Congo sous Félix Tshisekedi. Nous en parlons aussi dans le cadre de cette émission, na tombeli bino encore une fois de plus boye malamu na kati ya émission oyo. Likez, partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Merci na yo yo oponi kolanda biso. Veuillez liker et partager cette émission. Soki pendo beti le bakou ya kokuta na elongi na ngai o sepela kan émission oyo. Likez yango, partagez yango, tika commentaire. Depuis wapi yozali kolanda biso na République démocratique du Congo. Yambwete na banda na émission oyo nazali kosukisa nazali kobanda ngo penza na likambo na utaki kosilisa nango na sommaire. Na lobi ete ezali kosala pasi mingi. Na yebi ke bato ebele boza kozela actualité mais faut peto lobela makambo oyo eza koboma ba Congolais mususu de manière triste. Moto a travaillé vi na ye mobimba. Na kati entreprise moko songolo pakala pour mourir dans la pauvreté sans assistance alors qu'il a été travailleur.
ba contribution na ye sociale pour aider po à vivre retraite na ye en toute tranquillité et que ina ngwe s'envoler ndenge wana sans que entreprise o ekufi et compenser bango. Ezalika ya bandeko na biso ya ligne aérienne congolaise tozay ko benga LAC ekufa avant ba sala Bravo Air Congo avant ba ya ko sala ba Congo Airways ba travailler rebelé oyo ba travailler na kati ya entreprise oyo bazali ko lela epa ya l'état congolais bandeko na biso ebele bazape ko benga biso balobi boza balobeli tokoma lokola ba député pona bango baza ko lela likambo balobi mbongo na biso ya kufutama ebele parmi ba travailleurs ya LAC ligne aérienne congolaise ekenda na ngondengi wana bakufa batikala ko mona misolo na bango te ba de compte final na bango te entreprise ekangama l'argent est parti musala nyonso bango ba travailleurs musala nyonso bango ba sala ekenda na ngopamba yango toza ko loba gouvernement ya République démocratique du Congo mama Judith Suminwa tala pe ka ya bande ko bazali ko kufa bazela ka mbongo na bango tile loyo ebimakate revoyez aussi ces contentieux là ils a la base ya blocage oyo ezako sala ke mboka na biso ya avansakate tozali ko kipete bato ebele bakangela mboka oyo makofi bato ebele bakangela mboka oyo kanda ba problème ezali ebele ya Congo ba contentieux yango pe ezako freiner mboka quelque part bolandela ba dossier oyo bozongisela bato ba mbongo na bango bofuta bato ba mbongo na bango ça va nous aider aussi de décoller d'une certaine manière sango oyo na koti ya wana utai koloba ezali sango ya makambo etali enveloppe oyo ya 20 millions d'euros Bruxelles a décidé couper sa lisusu na Rwanda na armée rwandaise na cadre ya ba opération oyo bazali ko mener na Mozambique tuyebi ke Union européenne bazali na collaboration oyo basala ki banda kala na armée rwandaise ya couper sa bango mbongo ko utiliser armée na bango ndenge bango ba mona kangwa armée moko professionnel po bakendaka kobunda pour leur compte contre le terrorisme na Mozambique po na ko repousser oyo bazali kobenga ba twa état islamique to pe ba djihadiste mais loko ezali ya kokamo ezali que la fois passée la République démocratique du Congo to peuple congolais ba s'opposaki na inisikanisi ya Union européenne kope sa mbongo na armée rwandaise parce que c'est une armée criminelle terroriste il est accusé de plusieurs crimes na est ya République démocratique du Congo. Union européenne a salaki lokola zongi sima a gelé 20 millions oyo esengaki kopesa. Mais loko eza ya kokamwa lelo yo ezali que Bruxelles Belgique aza ko décider de susu kozwa 20 millions d'euros kotinda pona kopesa na armée rwandaise na cadre ya ba opération baza ko mener na Mozambique. Avant to lobela likambo ezali kotala est ya République démocratique du Congo topé rapport entre mbongo bango baza ko pesa na makambo eza ko leka na est ya République démocratique du Congo tozo ko lobela na Mozambique. Na Mozambique l'opposition et plusieurs couches de la population mozambicaine bazali ko lobela ko dénoncer ba crime oyo ezali commis par l'armée rwandaise. Ba manifestation esalimaki na contestation à élection na Mozambique. Armée rwandaise akendaki ko prêter main forte na pouvoir en place pour na ko traquer ba manifestants. Les militaires rwandais ont ouvert le feu sur ba paisibles citoyens bazalaki ko manifester pacifiquement. Ba bomi ba tukuna opposition mboka wana baza na kanda population aza ko manifester baza ko senga na Kagame a retirer ba militaire na ye na Mozambique. Union européenne na Belgique baza ko sala sourde oreille basayi lokola baza ko yoke loko mokoti c'est-à-dire o ezo leka na Mozambique ezo lobela bango eloko te lokola bango objectif na bango ezali ko utiliser armée rwandaise pour sécuriser
leurs intérêts na Mozambique, bakangi matoyi bakangi misu, basali comme si rien ne s'est passé na Mozambique. Bazako yoka te makelelo eza na Mozambique par rapport ya ba abus, topé ba crime ya armée rwandaise. Cette même armée eza mbala liboso te ba accusé yango en République démocratique du Congo à l'époque de Joseph Kabila. On parlait de M23 où Kabila Zwaki a latissi ba tenue. Il y a la police nationale congolaise pour traquer les manifestants. On en a parlé, même la chaîne internationale et l'Obela Yango. C'était des militaires rwandais où Kabila loi pour traquer les manifestants congolais. Ils ont tiré à bout portant sur des manifestants à RDC. La mort, même comptabilisé était officiellement. Donc, ils allaient dans la pratique de l'armée rwandaise, ba loi Kabango pour que nous avons le boulot. Lokola bayebi ke ba police to armée ya mboka wana ba lingaka te ko boma ba paisible citoyen to pe bandeko na bango, il faut kozwa ba Rwandais lokola bazaka na bango sans cœur armée ya Kagame eza mission ba pesa ka bango, il faut ko utiliser ka bango. Mais la question qu'on pose ezali que makambo soki salami na Congo, Union européenne a voyé la biso droit de l'homme, ba voyé la biso respect. Il y a droit de l'homme, respect, il y a droit, il y a qu'on manifester, qu'on comptabiliser, on a le lingue et banite. Mais pourquoi aujourd'hui l'Union européenne s'entête et envoie 20 millions d'euros dans l'armée où ils allaient considérer comme une armée criminelle? Nations Unies a fait un rapport. Nations Unies a fait un rapport que l'armée rwandaise est impliquée dans le crime où ils allaient à M23 dans l'Est du Congo. Il y a plus de 4000 troupes rwandaises dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nations Unies a un rapport rwanda. Est-ce que l'Union européenne na Belgique va éviter que l'armée rwandaise azali cité na exaction ou azali commis à l'Est de la République démocratique du Congo? Pourquoi bazali ko s'entêter pour na collaborer na bango? Pourquoi bazali ko pesa bango mbongo? Logiquement, biso ba congolais singeli toyeba que Mbongo oyo bazali kopesa Union européenne azali kopesa na armée rwandaise ba yebi malamu ke mbongo wana ekoki kozala détourné po ekende ko renforcer na effort de guerre na politique Kagame azali kosala na est ya Congo. C'est-à-dire Kagame akokozwa pe mbongo wana abaloli yango asomi lisu ba munition po a continuer ko traquer nango ba congolais. C'est ici le moment oyo biso ba congolais na gouvernement ya RDC to comprendre to repenser ba relation na biso na Union européenne, na France et puis na Belgique. Ezali acceptable te na moment ozali kolobela. Toyoka ke bazali kopesa lisusu armée ou ezali ko boma bandeko na biso mbongo na bato bazali ko prétendre kozala balier na biso. L'Union européenne au Congo fait semblant d'amener l'aide humanitaire. A tozo koloba wa soki baya balobi non, nous sommes très préoccupés par la crise humanitaire qui sévit à l'est du Congo. Le Congo fait partie du pays où ils ont des déplacés internes ébélés. Et comme ce sont des déplacés internes, ils ont une situation moko chaotique. Ils ont mobilisé aide pour être topé ça pour que ces gens-là vivent dans de bonnes conditions. Les mêmes personnes ont besoin de l'assemblant. Il y a qu'on mobilise aide humanitaire. Oh, tu y es bipété, c'est la gaïanini. Parce que toujours, vous y êtes ma pénatine en angoté. Ce sont les mêmes personnes. Oh, yo, bazali, qu'on est financé Rwanda. La logique, elle est claire. Bisou, il faut que ceux qui pensent, se trompent. Oh, bazali, vous y êtes la bisou, le quoi, bazali, vous y êtes la solution. Bazali, vous y êtes aveuglé, bisou, bangonde, moutou, bazali, vous y êtes la bisou. Chers Congolais, vous avez déjà là l'information. Je ne sais pas si le gouvernement congolais a joué la politique, il y a le président Félix Tshisekedi, ou les alliés, il y a Rosé encaissé, il y a des agir sima. Il a déjà haussé le temps un moment, il y a des alliés clairté que l'Union européenne a un accord dans le pays où il y a des agressés, dans le pays où il y a des minérés. Donc, outre le fait que l'Union européenne a regardé l'accord dans le Rwanda, dans le minéré au Rwanda, dans le côté, l'Union européenne s'entête à continuer à financer l'armée rwandaise. Si ça ne va pas, monsieur le président Félix Tshisekedi, nous devons savoir couper les ponts. Les défis s'appellent gestion. Dans la République démocratique du Congo,
nous avons un problème, c'est de penser que na makambo etali justice, makambo etali nini, l'Union européenne a amené l'aide de 20 millions, 5 millions de l'Union européenne. Nous avons l'argent chez nous. Mbongo oyo tozaki na budget ya 4 milliards à l'époque ya Kabila. Tozali ko continuer kozwa ba aide na bango. Lelo avec un budget de 16 milliards, il faut étudier comment stopper avec l'aide qui vient des Européens. C'est comme ça qu'il faut agir en responsable. Tant que batu oyo bazo continuer pour collaborer na ba ennemi na biso. Biso to développer résilience ya kotika laka ba baba tozo akalisusu ba 5 millions ba 10 millions na bango bazo ya nango après pillage ko ya ko pesa biso tozo koyebe loko tozo salaté. C'est quelque part biso moko toza ba victime mais biso moko pe toza ba bourreau. Tozo participer na batu oyo baza ko nyokola pe ko boma biso. On ne voit pas concrètement ce que l'Union européenne fait au Congo. L'Union européenne a koki ko développer biso te a koki ko aider biso to kota na développement. L'Union européenne a koki ko soutenir développement à long terme na biso te. L'argent qui entre au bazo ko sa au bazo ya ko aider biso, c'est l'argent qu'il pille. Comme baza ba hypocrite. Pourquoi nous devons garder les liens? Ça ne sert à rien. Ba pays loko la ba Chine, ça clair. Loko la toki na biso na maboko ya ba chinois na banane. Développons une autre stratégie pour toka bonana bato libela en commençant par les aides. Toloba non na aide ya Union européenne. La deuxième chose ezali que ba corps union so souteni wezo ko kota o Union européenne a lobby o bwe bazako loba. Papa er yango ya ko kanga bisaka ko kende. C'est comme si biso moko to lingi prison ango to ndimi ango a vie. C'est comme si biso moko to comprendre que notre développement est indissociable de nos rapports avec les Européens ou les Occidentaux, tous ont comprendre en petit. Monsieur le président de la République, na agenda na yo ya ko kende na développement ya Congo. To koki ko luka ko ndenge nini to koki ko kata aide ya Union européenne. Cette aide là, ezali aide moko ya ko garder biso na ba chaîne tant qu'on n'est pas responsable et comprendre que il faut to se désolidariser na bato yo bazali ba ennemi na biso. Rien ne marchera. Yango ezali information à liboso biso to kolobela na cadre ya actualité na biso. Il faut comprendre, chers téléspectateurs, que ezali facilité pour la République démocratique du Congo face ya bato biso to ko travailler na bango. Les Congolais qui vivent na espace Schengen, ba Congolais vous allez vivre na ba pays à Union européenne, la balle est dans votre camp. Pensez que nyon se vous allez résoudre par la diplomatie de Tshisekedi ou par la guerre, c'est se tromper aussi. Et Sengeli, ba Congolais, to continuer pour se mobiliser davantage. Ba Rwandais, ba Lembite. Soki bo yoki makambo eza kobima na niveau ya nouveau commissaire européen. Soki futur commissaire européen. Oya za koloba po na ye ki accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Eza nango na fay mon côté. Eza accord moko exemplaire. Ça montre clairement que les combats continuent. Batu oyo nanu ba comprendre te qu'il faut bâtir le Congo libre. Nous devons nous mobiliser davantage. Pensons que za bataille et qu'on a mené kaka na boycott ya Tshisekedi. Non. Mobilisez-vous dans ces pays-là pour na koyebisa batu wana que non, ça suffit. To koyi ko ndimate ko za la ko continuer ko za la ba esclave ya ba européen pendant que baza ko sala biso bazue dou ya lokuta que bazue ya ko aider biso. Ba wazalendo na momo tozali koloba la bawazalendo bazui contrôle ya Butare na Tongo na territoire ya Rutshuru ezali sango moko malamu pona bawazalendo na biso pona ba FARDC na biso et puis pour le peuple congolais et loko yo gouvernement congolais foye ba kuvandisa malamu ezali que balobaka na lopoto a malin malin demi. Tant que vous comprendre que les Rwandais ne sont pas sincères, dans le processus, mon côté, vous avez kende na bango, au côté de la commune, bango, va respecter à la lettre, makambo bango, bazo sa, bazo loba. Il faut que vous kende na bango, na rythme, bango, pe bazo meme la biso. Bango déjà, ba tambou, si so yoto yoki information, audio moko et tamboli partout. Na ba groupe WhatsApp, ba tebele, bazo yango, moi aussi, je l'ai reçu. Ndengenini ba compatriotes na biso baza ko dénoncer ba Rwandais bazali na planification ya ke avant Donald Trump a prêté serment
abanda exercice la ya fonction na ye en tant que président des États-Unis, il faut bango ba occuper ba localité mususu ba étendre zone na bango d'influence voire même Goma et Kweya. Baza na kati ya ba stratégie. Tu ebi que ils ne vont pas réussir parce que attendez que toza koloba boza pe na ba disposition ezo ami. Mais prudence est mère de sûreté. Lelo oyo ba ataka ki lisusu, c'est l'armée rwandaise. Mais ba wazalendo na biso, tu ebi que tant to koloba wazalendo, les Congolais comprennent. Ba repousser bango jusqu'à récupérer la localité de Butare na Tongo kuna na Rutshuru. Pe bazako pour chasser bango lisusu na ba colline welandi. C'est le moment pour nous ya ko fandisa ko asseoir matériel sophistiqué na biso. Certaines choses ne se diront pas, mais même bango moko pe na Rwanda ba yebi que aliro yo makambo ezako kendele. Il faut ba créer chaos moko généralisé pour même temps ba koyebisa bango ki retirez-vous. Bazo lisusu tamulai parce que Kagame a besoin de temps là, temps wana Kagame a besoin. Félicitations à Bawazalendo na biso, tout n'est pas à dire, to bombi etikali to kolobelango na actualité ekoya. Yambwete to silisa to zali kolobela awa likambo etali Martin Fayulu azali ko interpeller pasteur Roland Dalo pour a arrêter Félix Tshisekedi na projet na ye ya kolinga ko briguer un second mandat mususu troisième mandat. Je le cite Martin Fayulu à lobby, j'en appelle au pasteur Roland Dalo pour rappeler à Félix Tshisekedi que l'orgueil et l'arrogance mènent inévitablement à la chute. Il accomplit actuellement son second et dernier mandat fraudulé. Cela suffit qu'il cesse de jouer avec le feu. Car d'autres en Afrique en ont payé les prix forts. Donc, awa Martin Fayulu, a moni et l'oua kosala lisusu, ezate, a kimeli et pa ya papa Roland Dalo, pasteur ya Félix et Tshisekedi, azala ki pasteur na bangomi balé, koloba na ye ke, en tout cas, benda mwana na yo matoyi, atika. Il a li kola ki sa incapacité ya Martin Fayulu en tant qu'acteur politique, y a pour stopper Félix Tshisekedi. Capacité, y a Martin Fayulu, azali ko comprendre que na ba moyen ou epe sameli bango politiquement, il n'est plus à mesure y a pour stopper Tshisekedi na vision azanango. Y a ngo Fayulu, nangina loba Mayulu. Vient à biso Martin Fayulu à comprendre que Félix Tshisekedi est instoppable. Aza déjà na ba tout. Il a une majorité confortable. Il vient d'être élu massivement par la population congolaise. Le rôle à tous les moyens pour stopper était dans la politique. Naki Melata et pas papa pasteur a sauvé Biso. Papa pasteur a sauvé Yote. L'orgueil dont parle Martin Fayulu et l'arrogance, parce que Félix Tshisekedi a initié projet à changement constitutionnel. Et ça, orgueil au Martin Fayulu et Mourazanam. Si Fayulu n'était pas orgueilleux na ba élection au Etouti Kosala, il aurait même atteint 3-4 députés. Mais le lo yo zotele me la muto yo asimbi azali na majorité parlementaire. Muto ya uti kozala élu massivement. Yo ebisaki ba congolais que to kenele élection na te au finish au kei président sans député. O lobi non Félix Tshisekedi nanu a gagné ba élection te. Oyo ezali ba larme ya crocodile. Même le passé Roland Dalo n'a pas le temps d'aller conseiller Tshisekedi politiquement parce que ce n'est pas son conseiller politique. Bunda na bibundeli na yo mobiliser peuple congolais. Tika kokende epai ya pasteur Roland Dalo akozala na yo na secours mon côté. Soko za capable ya ko mobiliser ba congolais ba stopper Tshisekedi. OK, mais la constitution aussi ne donne pas ça aux congolais comme droit. Tshisekedi a le pouvoir référendaire, ya ko kende na Tshisekedi na peuple congolais na référendum. So la constitution ezali ki ba changer ya ngote. Article ezali ko tinda que président de la République a tinda peuple congolais na référendum, mais linga ke ezalati. Que monsieur Martin Fayulu comprenne que soko zo kolongola pour sina liso muninga banda avant tout kolongola, nzete we ezala liso na yo moko. Nde yango ko kende malamu.
La même chose aussi avec le cadavre ya Kabila Tiki Awa, le cadavre na ye politique. Néhémie Mouilanya qui parle aussi, alobi Mboka Ezali définitivement sous la loi martiale, prison à ciel ouvert. En tout cas, démocratie est en Angola sous-soutée. Mais il faut que la nation na Mboka Lokola ya Congo, pour yo Néhémie Mouilanya lelo, ôte ya ba Congolais. Oui, mais ça va congolais que Tshisekedi est un dictateur, démocratie est un sous-souté. Kabila est un démocrate. Vous avez été démocrate. Martin Fayoulou lui-même, acteur politique, ba moussousou, il faut tirer les conséquences. Il y a des batailles qu'on peut mener et des batailles qui sont perdues d'avance. C'est-à-dire avant Obunda, déjà, sous échoué qui n'a eu. Il y a des batailles, oh, opposition, baza ou mibeng opposition. Parce que dans la bataille contre Tshisekedi pour qu'il a changé la constitution, mais il y a déjà que baza perdant. Mais pour justifier les miettes et ne pas disparaître, baza obligé qu'il y a une entreprise qui est déjà vouée à l'échec. Émission à l'Oba, il y a l'élo à l'Oba qui n'a pas l'Oba Mingi, qui n'a pas. Merci à Bandeko, Nyon Soubosepeli, Kolanda Bisso, de partout à travers la République démocratique du Congo. Merci à Balandignon sur AGCAM Télévision, paix, bah amoureux, il y a. Émission Debout Congolais, veuillez liker et partager massivement cette émission. Beaucoup de sangs peinent à couya. Dego Martin Fayoulou, émission Oye Komelaye, ba conseil nanga soka kosepela nango. Ezalipe malamu, matondo nande kombi à chaque fois na chima ya caméra pe na réalisation pour que l'émission vous parvienne. Merci n'apôtre Gérard Kabeyacho, vous merci à l'homme de la vérité des urnes Jean-Louis Timbalanga. Matondo mingi na papa Maurice Kikangala, matondo na papa Michel Luma Kasso, papa Boniface Mpunga, pe papa Freddy Ngwama, matondo mingi na papa Paulin Chika, mama Bilbilonda, mama Lisette Mumbendu, azako yo kanate na salue ye mingi pe mama Anima Samba, natondi bino mingi, ngaina bino tukabwani awa, tukutani na emission mususu.